Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons commencer un autre site. Donc, le design que je vous propose, c'est celui-ci. D'accord, on a quelque chose de ce genre. Ça commence par ici, ça se termine par là. Si on regarde la version PSD, ça ressemble à quoi? On va regarder ensemble. Regarde la version PSD, ça ressemble à ça. Donc, j'ai pris le temps de récupérer les photos. Comme ça nous permettra d'aller un peu plus vite. Ah tiens, il y a des éléments que j'ai pas pu récupérer, je vais les récupérer tout à l'heure. Je viens de me rendre compte. Ces trois icônes là, je les ai pas récupérées. Bon, je vais les récupérer plus tard peut-être. Donc, on va créer ça. Pourquoi je vous montre la version PSD? Parce que je me rends compte que sur la version PSD, il y a des parties, par exemple cette partie là. Et il y a des parties qui ne sont pas sur la version JPG. Donc c'est complémentaire. Donc quand on vérifie les deux, ça permet même ça. C'est pas sur la version JPG. Donc ça permet de tout compléter. Ok, ceci dit, on va y aller. On va attaquer ce truc là et on va le créer. Je ne sais pas pendant combien de jours, mais on y va. Ok. Alors, tac. Donc on va l'appeler site sport 2. Alors sélectionner, on part toujours d'une page vierge. Alors on va changer le nom. Passer le tout. Site sport 2. D'accord. Sport 2. Il a mis une erreur parce qu'il devait avoir un trait dans l'URL. Ok, on va l'appeler celui-là, on va l'appeler accueil. Accueil sport 2. C'est juste pour nous après, pour nous. Sport 2. Pour se retrouver facilement, étant donné que. Il peut arriver hein, qu'il y ait pas mal de six sports, comme ça on va se retrouver. Alors, ceci dit, on clique dessus et on commence. Quand je regarde ce. Je monte ça là. Ok. Quand on regarde ce design là. Vous allez remarquer que ici sur la version, on voit pas ça sur la version, on voit pas ça sur la version PSD, mais sur la version JPEG, on le voit bien, JPG, on le voit bien. Vous voyez ça là? Il y a la bande qui est au-dessus de la photo. Donc ça c'est facile à créer si vous mettez directement l'entête sur chaque page. Bon, nous on veut pas mettre l'entête sur chaque page, du moins. Oui, sur chaque page intérieure, on ne veut pas mettre l'entête. On veut créer une entête pour toutes les pages. D'accord? Pas plusieurs entêtes. Ok? Donc, du coup, ça risque d'être un peu compliqué. Un peu compliqué. Et on va voir comment on peut faire. Après, on peut ne pas trop s'embêter avec ça hein, et de coller, de créer juste une bande noire et de poser dessus. Et puis, c'est tout. Mais on va prendre le risque, d'accord? On va prendre le risque, on va essayer de reproduire ça exactement. Et vous allez voir comment est-ce qu'on pourra faire ça. Donc pour l'heure, tout ce que j'ai à faire, hein, tout ce que j'ai à faire. Alors, je vais rajouter un autre panneau. Ok. Je vais supprimer celui-là. Ça me plaît pas. Je change. Parce que comme vous le savez, j'aime utiliser soit Helvetica, soit Montserrat. Tous les gros trucs là, j'aime pas trop quoi. Ensuite, je baisse ça à 65. Truc à 4 ou 60 d'ailleurs, je vais mettre ça sur 60. L'autre, je le laisse à 40. Pareil, Helvetica 40. 45, je laisse comme ça. C'est du H2. Le H3, Helvetica aussi. C'est simple pour moi. D'accord.
augmenter ça un peu. Le H4. Helvetica aussi. Comme ça, on sait avec quelle police on est en train de travailler. Helvetica. On va augmenter celui-là un peu. On essaie du H4. Oh. Ouais, je vais mettre ça comme ça. Helvetica. 3. 6. Helvetica. Alors. Helvetica aussi. Tac. Et on augmente ça. On met du 3. D'accord. Super. On enregistre tout ça. Et ce test du coup, qu'est-ce qu'on a? C'est du neutral, je ne vais pas prendre le risque. Je vais le virer. Je vais ramener un autre test parce que j'en aurai besoin de toute façon. Tac. Je descends, je vais ramener mon Helvetica qui doit être cool. Hop, c'est moche l'Helvetica. C'est moche. Je le pensais un peu plus. Est-ce que c'est vraiment. Attendez, je vais vérifier ça. Paragraphe. Ouais, c'est bien ça, punaise. C'est bizarre. J'ai l'impression que la dernière fois que j'ai utilisé Vetica, c'était pas comme ça. Bon, je vais prendre celui-là. Je vais mettre pour le paragraphe, je vais utiliser Montserrat. Pour les. Pour, puis, je pense que ce serait mieux. Alors, on laisse ça comme ça. Et je vais descendre ça en bas. S'il veut bien. Ok, donc pour créer l'entête, vous savez bien, on va pas créer l'entête sur cette page. On la créera ailleurs, mais pour que ce soit harmonieux, on va la créer ici et on va l'enregistrer pour pouvoir l'utiliser ailleurs. Ok, pour ceux qui ne me comprennent pas, vous comprendrez. Ok, suivez-moi juste et vous allez comprendre. Donc on y va, top. On va créer notre entête. Pour ce faire, non, c'est pas ce que je veux faire. Je vais aller chercher. C'est trop où ça? L'arrière-plan, je vais changer l'image d'arrière-plan. On y va, vois-tu? Mouline, mouline, mouline. On descend, sport, choisir. Et on va aller récupérer tout ce qui est lié au sport et dont on aura besoin. Ces photos, cette photo, cette photo, cette photo. Ok, après. Cette photo, cette photo, cette photo, cette photo, cette photo. Tout ça. Bon, il en reste que je récupérerai plus tard. Ouvrir. Il ramène tout. Ok. La première photo dont on a besoin, c'est celle-ci. Donc, je vais la choper. Tac. Elle est là. Donc, comme vous le remarquez, la tête est perdue. Mais on a besoin de cette tête. Donc, du coup, on va élargir la bannière. Descends cette bannière là. Hop. Donc quand ça commence à zoomer, c'est que on a atteint la limite. Donc quand ça commence à couper, c'est que on a atteint aussi la limite. Donc juste ça hein, pour vous. Ok, moi je laisse comme ça. Et je vais aller regarder. Super. Ce qu'on va faire maintenant, on va rajouter une bande. Une bande toute noire. Cette bande ne peut qu'être qu'une boîte, d'accord, on peut pas faire autrement. Quoique, attendez, quoique j'ai une idée. Ce que j'ai oublié de faire au fait, c'est oh mince, j'ai fait une bêtise. En fait, j'ai oublié de mettre un filtre sur les photos. Je devais faire ça, mais j'ai zappé, j'ai complètement zappé. Je devais mettre un filtre sur les photos pour que ça fasse gris comme ça. Mais j'ai zappé, complètement zappé. Mais on va faire comme si. Ok, on va faire comme si. Ouais, ça m'embête un peu ça. Ça m'embête un peu ce truc. Donc tout ce que j'étais censé faire, c'est ça. C'est d'aller créer. D'ajouter un nouveau calque, venir là. Et prendre ça et mettre dessus. C'est tout. Oh. Réduire l'opacité et mettre ça dessus. Donc celui-ci,
Oh, il me le fait pas, donc il va falloir utiliser un filtre. Va falloir utiliser un filtre. Bon, ça va me prendre trop de temps pour le faire. Donc, je vais oublier. Voilà, utiliser un filtre. Bon, je vais faire ça après. Je vais faire ça après parce que si je me mets maintenant, ça va me prendre trop de temps et ça va pas être marrant. Alors, je verrai ça après. Comment je vais mettre ce filtre noir et blanc, quoi. C'est juste changer la couleur, voilà, en noir et blanc. Mais bon, je verrai ça plus tard. Tant pis, on va faire avec. D'accord, on va faire avec ça, avec la couleur. Donc du coup, ce qu'on peut faire, on a plusieurs possibilités, hein. On a plusieurs possibilités. Donc la première que je peux essayer, mais je pense que ça risque de ne pas marcher. Ça risque de ne pas marcher parce que vouloir. Et voici, j'y arrive. Non, j'arrive pas. J'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas. Donc c'est ce que je voulais faire. Mais sauf que si je fais par exemple l'arrière-plan. Attendez. Oh, pardon. Je vais essayer ça. Je vais. Je redescends. Ok, je vais retravailler ce. Il y a différentes façons de configurer l'image. On va dire que l'image doit être fixe. On va faire ça comme ça. On va voir si ça me permet de. Non, ça ne règle pas le problème. Défiler. Donc ça, c'est ce qu'on a actuellement. Et si je fais ça, non, je n'ai pas le truc. Est-ce que je peux jouer avec ça? Pour l'avoir. Donc, ce que je viens de faire, c'est ça. Je l'ai cloué en haut quelque part. D'accord. Donc on referme ça. On remonte ceci. C'est ce que j'ai envie de faire. Ok. On est là. On va rajouter un autre panneau. Tac. On rajoute un autre panneau. Ok. Et en bas, supprime ce truc, je descends, hop, je suis dessus, on importe la même image, non, pour le moment on n'importe pas la même image, on remonte juste celle-ci, taille, on va voir si on va arriver, si on y arrive. C'est bon, on laisse comme tel. Si on peut pas, bon, tant pis, hein. Alors, bon, la couleur, on peut profiter en même temps pour la changer. La couleur de fond, c'est du noir. Ok. Boum. Donc, on réduit ça. On peut la mettre comme ça. En attendant. Et. Je rajoute, bon, je vais dupliquer ça là. Je la duplique. Comme ça, je peux supprimer celui-ci. Supprimer. Je ramène la même photo. Tac. Je ramène la même photo. Là, là, là. Je ramène la même photo. Arrière-plan. Changer.
La photo, elle est là. Collée. Ok. Donc, du coup, l'enjeu maintenant, c'est de faire en sorte que on ait quelque chose de ce genre. On ait quelque chose qui ressemble à ça. D'accord? On va voir si on va y arriver. Allons-y. On descend. Bon, on dirait qu'elle a le front un peu trop large. D'accord, on va réduire un peu. On va essayer de réduire un peu ceci. D'accord. Et on va réduire celui-ci un peu. D'accord. Là, c'est un peu plus vraisemblable. D'accord. Sur la photo, on voit. Ouais, j'ai grandi ça. Sur la photo. Pourquoi j'ai du mal avec ça? Sur la photo, on voit bien. Ses sourcils. Donc. Mais ici, on la voit pas bien. Descend un peu. Là, on voit trop. D'accord. Ok. Si on veut être, si on veut que ça soit vraisemblable, bon, il faut que ça reste comme ceci. Sinon, c'est un peu trop décalé. D'accord? Donc là, déjà, on dirait que la tête est un peu. Mais bon, ça va encore. L'effet y est, en fait. L'effet y est. Donc, on va dire qu'on y est. On y est quelque part. On y est presque. On va enregistrer ça. D'accord? On va enregistrer ça. Et ce qu'on va faire, on va imprimer ceci. Sport de bande 1. On va enregistrer ceci. Sport 2. Bande 2. D'accord. Et le troisième. Comme ça, tout ce qu'on a fait, on n'aura pas à le reprendre. C'est juste l'importer. Sport. 2 bande 3. C'est enregistré. Maintenant, on peut continuer de travailler. Je vais couper le son là pour ne pas être importuné pendant l'enregistrement. Donc du coup, le reste de notre site, on peut le créer tout tranquillement. On s'occupera de ça plus tard. Alors, deuxième partie. Le test, qui sommes-nous? Ok, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Et ça doit être tout noir, on y va. Normalement, ce site est censé être relativement simple. On ne sait pas encore, on peut toujours avoir des surprises. Mais ça doit être relativement simple. Donc, celui-ci, on change ça en blanc. Et on va ramener un autre. Le cadre là, la boîte, j'en ai pas besoin en fait. Je vais la virer. Bon, je la laisse là en attendant. Je peux dupliquer. Attendez, faire ça comme ça. Je vais dupliquer ça parce que j'en aurai besoin.
Ok. Donc ma boîte elle est là, le test est là. Donc on verra ça. La boîte là, j'en ai pas besoin. Donc je vais la virer. La vire. Hop. Alors, qui sommes-nous? C'est du test pour nous. Toujours blanc. Qui sommes-nous? C'est tout en capital. Donc, on va le faire. On veut respecter le design. Hein, donc, qui sommes-nous? Ok. On va mettre un peu d'espace. Tac. Allez. Non. Bon, maintenant, la couleur là. On va voir ce que c'est exactement. Okay. Donc la couleur de l'écriture, on va aller voir ce que c'est. Pour ce faire, on va faire un truc. On va l'ouvrir avec. Oh, même pas besoin. Même pas besoin de l'ouvrir avec GIMP, mais bon, c'est déjà fait. On va prendre ça et on zoom. On le met dessus. On copie la couleur. 00 CFF 3F, hein. 00 C3F. Donc celui-ci, je le prends. On peut changer la couleur en disant C00, CTRL V, OK. D'accord. Alors, qui sommes-nous hein? C'est avec S, purée. Alors. Ok. Donc là, c'est bon. Si tu veux, hein. On peut élargir celui-ci un peu plus. Et on le centre. D'accord. Ensuite, on descend en bas. On a du texte qui est censé être blanc. Du test. C'est pas ce que j'ai fait, mais on va faire ça comme ça. On va réduire 3 lignes. On va dupliquer. Prends ce test. Celui-ci, on va dire que c'est le titre. Nous utilisons moins d'eau. Utilisons moins d'eau. Je ne sais pas ce que ça a à voir avec le sport, mais bon. Moins d'eau. S'ils font le sport, après cet exercice, ils n'ont pas le droit de se doucher ou c'est quoi? Donc. Je vais en mettre ça sur le côté. Hop. Je vais mettre ça gras parce que c'est ce qu'ils ont fait. Pour info, je suis en train de faire ça. D'accord? Nous respectons la nature. Nous croyons au recyclage. Je sais pas ce que ça a à faire avec le sport, franchement. Mais bon. Ici, hein, on veut juste recréer un design, donc on y va. Bon, le test s'est barré de la boîte, je ne sais pas pourquoi. Quand tu veux, on
On aligne les deux. Tac. On prend le test, on le met là. On le duplique du coup. On va aller regarder quand même la version mobile. Ok, on regarde la version mobile. Fermé. Alors, quand on regarde la version mobile, ça donne quoi? Pendant que je vais dupliquer, je préfère corriger la version mobile d'abord avant de dupliquer, comme ça m'évitera de faire beaucoup de corrections. Ok, là-dessus, je suis partisan de moindre effort et je l'assume complètement. 30. Tac. On descend. Ok, super. Donc là, comme ça, on va mettre le titre au-dessus. Je ne sais pas pourquoi c'est pas justifié sur la version mobile. Je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être que c'est mieux que ce ne soit pas justifié. Si je prends la boîte, je peux descendre un peu la boîte. Je descends un peu cette boîte. Je la descends. Non, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Tac. Ouh. Pop, 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 pop. Donc là, on a fait ça. Super. Bon, c'est nickel. Alors, ensuite, on descend. Blablabla. Nous utilisons moins d'eau. On va dupliquer ça, du coup. Dupliquer. Nous respectons la nature. Nous respectons la nature. Franchement, à mon avis, ça c'est une blague. C'est vrai, ça doit être une blague, à mon avis. Du designer, en fait. Il s'est dit, tiens, je vais raconter tout et n'importe quoi. Parce que pour moi, ça n'a rien à voir avec le sujet. Nous croyons au recyclage. Nous croyons au recyclage. Croyons au recyclage et on va aligner tout ça. Tac. Bon, prends ça, prends ça, prends ça. On aligne. Vous avez remarqué avec moi que ceci n'est pas tout noir, mais plutôt gris foncé. Donc, on va faire pareil, hein. On va pas être raciste là, ok? Sur ce coup-là, on va remonter ça. On va pas tout peindre en noir quand même, hein? On va aussi donner un peu de place au gris, ok? D'accord. Là. On centre ça. Oups. On centre tout ça. Et on enregistre. C'est bon. Une fois que c'est fait. On va aller changer le fond quand même, okay. Pour que ce soit conforme au design. Let's go, let's do it. J'en sais rien, mais c'est ça. Bon, alors ça donne quoi? Ça donne ça. Ça donne ça. Je pense qu'on peut faire un peu plus foncé. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Sur la photo, ouais, kiff kiff, ouais, c'est bon. On va dire que c'est bon. Ok. Après, vous pouvez aller prendre la bonne couleur si vous le souhaitez. Vous allez dessus comme ça. Prenez pareil, l'outil, vous cliquez dessus. Et vous allez vous copier 14, 14, 14. Copier. Ouais, si vous voulez, si vous êtes puritain, allez-y, quoi, vous pouvez le faire. Mais bon, je suis presque, hein, 14, 14, 13. Je suis trop fort. Alors, donc du coup, on a fait ça. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de continuer avec cette partie. Ok, cette partie. Et après, une fois que cette partie elle est faite, donc je vais fermer ça. Je réduis ça. Donc une fois que cette partie, donc, on va rester là, pardon.
Une fois que cette partie elle est faite, ce sera cette partie, ainsi de suite. Ok. Donc, on verra ça dans le prochain cours. On se retrouve dans le prochain cours pour la suite. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Et surtout, surtout, si vous n'êtes pas encore inscrit sur notre plateforme de formation gratuite, faites-le parce que grâce à cela, vous allez pouvoir télécharger tout ce que nous créons, tous les sites que nous créons dans cette formation pour le télécharger gratuitement hein, sur la plateforme hein, et l'utiliser pour votre business ou le revendre si vous le souhaitez. Ok? Sans rien nous payer, bien sûr. Alors, ceci dit, on se retrouve dans le prochain cours.